La Vuelta, historiquement, a déroulé son tapis rouge aux 18 équipes engagées sur un tracé plat de 13,7 km au cœur du centre historique de la ville de Nîmes, qui inaugure la première incursion de la course espagnole en France. Ce samedi 19 août, un peu plus de 70 000 personnes ont assisté aux préparations des cyclistes, mais également à cette première épreuve de course. Cette 72e édition sous haute surveillance policière a révélé le talent des coéquipiers de Rohan Dennis pour la formation BMC, qui ont parcouru l'épreuve en 15 minutes et 58 secondes. Pas de quoi inquiéter Romain Bardet, le Français qui entame sa première participation à la Vuelta.